Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la partie, je sais pas trop laquelle, parce qu'on est rendu à ben trop, de la visite du monde. Aujourd'hui on va visiter l'aréna de hockey, qui se trouve juste ici. Ça s'appelle le Old York Center. Un beau petit design, en forme de valve, comme les vrais je pense là en fait. Ça c'est la cage d'escalier, qui ressort un petit peu. Bon, pour y accéder, on arrive ici, on prend la petite route qui mène à un parking souterrain. Qui a l'air de ça. Il y a même des lumières que tu peux fermer et rouvrir, puis c'est comment il s'éteint puis s'ouvre. Mais. Ok, disons qu'on s'est parqué, là on sort à pied, ça va cette petite escalier là. La petite cabane qui sort ici, tu vas pas la route, fait que tu continues là. Tu marches sur le petit trottoir là, la fontaine, une petite plante là et tout. Si c'est le genre de ligne pour les lignes pour rentrer parce que il y aurait beaucoup de monde. Ok. Ah oui. Ça a pas été fait avec un tutoriel. Ça a tout été fait dans la tête. C'est mon ami qui l'a fait le 18 mars l'année passée. Ça fait quasiment un an. Fait que voilà. On rentre. Il y a une petite toilette là. Et l'autre bord. Et là. Il y a personne. Alors, on rentre. Gratuitement. Une toilette là, une toilette là. Maurice Richard, la légende. Petit tableau. Bon, maintenant. Escalier, c'est par là. Bon. On rentre ici. Ici, il y a les estrades. Il y a trois étages d'estrade. C'est la patinoire. Puis vous avez remarqué que quand on rentre, on est à l'hauteur du sol, mais on rentre ici. Puis ça a été creusé dans le sol pour faire ça. Pour avoir l'air de bah, ça plus grand. Donc vous avez vu toutes les bancs qui font tout le tour x3. Puis pour descendre de d'étage, bah, tu t'en vas en fait tu t'en vas dans le couloir en arrière là. Tu longes ici, puis là c'est la cage d'escalier. Tu vas au troisième étage, là, tu t'en vas au premier étage. Si le ce que les points là, est-ce que tu vois les points puis d'autres affaires là, comme les gros mini écrans là, pour ceux qui sont déjà allés au Centre Bell là, à Saint-Montréal, comme il y a ça quand tu vas regarder du hockey, ça c'est la vie derrière les buts, tout est là, hein. Vraiment tout est là, genre c'est comme une oreille. Les buts sont un peu spéciales, sont de même avec la toile d'araignée, les lignes de la passe noire rouge et bleu. Ça, c'est les bancs de pénalité. Et, de l'équipe là, puis l'équipe là. Ici, je sais pas trop à quoi ça sert. L'autre bord là, il y a des bancs VIP. Pour les petits bourgeois. Ça, c'est les bancs d'équipe, ceux qui sont sur le banc, tu sais, comme ils font des changements, etc. Par là, si on va là, c'est le vestiaire. Et c'est aussi relié à au parking souterrain étranger local, les équipes là, parce que la même chose pour le bar, un autre vestiaire. Ouais, c'est vraiment très bien pensé. C'est pas moi qui l'ai imaginé, c'est mon ami, mais je l'ai aidé à construire là, parce que tu sais, on va dire que c'est long là. Tout mettre ces blocs là à toi tout seul, c'est pas mal long, fait que tu demandes de l'aide, c'est normal. Ceux qui sont déjà été pour du hockey là, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour dire si ça ressemble ou pas. Ou si, même si vous êtes jamais allé, vous pouvez aller voir une image au goal, puis me donner
Un avis là-dessus, ça ressemble ou pas à une vraie arène de l'intérieur. En haut aussi, pas mal à rien, là, comme une espèce de toit bombé. L'escalier ressemble à ça. Allez hop, tu te ramasses au troisième étage. C'est assez grandiose. Ici, c'est la sortie aussi. Entrée, une sortie. On va faire le tour. Désolé s'il y a du bruit en arrière. En fait, c'est qu'un film. Mais bon. C'est beau, hein? C'est beau. Dis en commentaire combien sur 10. Ça m'intéresserait de savoir. Bon ben, hein, en fait, moi je fais des visites quand même assez rapides. Fait que c'était tout. À la prochaine et likez ma vidéo s'il vous plaît.